Je suis Monsieur Espoir Memougam, professeur de mathématiques. Le cours que nous allons aborder ensemble porte sur les fonctions numériques d'une variable réelle. En terminale A, le plan du cours se présente comme suit. Premièrement, nous allons commencer par des généralités. Après, nous allons aborder les calculs sur les limites. Et après, nous allons aborder les conséquences des limites avec les branches infinies, la notion de dérivée, puis nous allons finir par une représentation graphique. Au grand 1, généralité. Dans les généralités, nous voudrions d'abord définir ce que c'est qu'une fonction. Ici, lorsqu'on parle de fonction numérique, elle fait allusion à plusieurs procédés. Tout simplement, en mathématiques, la fonction numérique est un procédé qui permet d'associer un élément ou encore un nombre d'un ensemble A, par exemple, un X dans un ensemble A, à un élément d'un ensemble B. Et cette relation-là, c'est ça que nous appelons fonction. Et cette fonction peut être définie de plusieurs manières. Soit à partir d'une expression mathématique, avec du exemple f de x égale à 2x plus 1. Là, nous avons le cas d'une fonction affine. Elle peut aussi être définie avec un tableau en attribuant des valeurs à x et y. Elle peut aussi être définie à partir d'une représentation graphique avec la courbe. Donc, ce que nous pouvons retenir comme définition de la fonction numérique, c'est qu'une fonction numérique est tout procédé qui nous permet d'associer un élément d'un ensemble A à un élément d'un ensemble B. Donc, voilà ce qu'on peut retenir comme définition d'une fonction numérique. À côté de cette définition, il y a des termes qu'on va utiliser pour le vocabulaire. L'élément qu'on va prendre dans le premier ensemble est appelé ensemble de départ. Le deuxième, nous savons que c'est un ensemble d'arrivée. L'élément X que nous allons prendre ici, c'est ce que nous allons appeler antécédent. Et l'élément Y que nous aurons ici, c'est ce que nous allons appeler image. Et donc, notre cours va se baser là-dessus. Au niveau de cette notation, il y a à côté ce qu'on va appeler l'ensemble de définition. C'est quoi l'ensemble de définition? L'ensemble de définition n'est autre que, déjà là, après la définition, nous allons aborder l'ensemble de définition. Ici, lorsqu'on parle de l'ensemble de définition, vous allez observer d'abord un constat. Lorsque ici, R, deux ensembles, je considère deux ensembles A, qui est mon ensemble de départ, et un ensemble B, qui est mon ensemble d'arrivée. Là, je considère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je prends A, B, C, D, E, F. Nous avons dit la fonction, c'est le procédé qui permet de mettre en liaison les éléments des deux ensembles. Nous avons par exemple ceci. Là, je viens de définir par exemple ma fonction f. Pour déterminer, ici s'il faut définir l'ensemble de définition, noter d de f ou encore e de f, ici, dans ce cas, mon ensemble de définition sera constitué des éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire que cet ensemble de définition ne prend pas en compte l'élément 6 et 7. La bonne question, ça serait pourquoi pas 6 et 7? Tout simplement parce que l'élément 6 et 7 n'est pas associé à un élément de l'ensemble B. Donc, par définition, ce que nous allons retenir de l'ensemble de définition d'une fonction, c'est qu'on appelle ensemble de définition d'une fonction F, par exemple, l'ensemble des éléments de X pour lesquels ils admettent une image. Donc, pour qu'un ensemble, un élément ici, soit retenu dans l'ensemble de définition, il faudrait qu'il soit associé à un autre élément dans l'ensemble de départ. Et ici, nous allons distinguer plusieurs cas de fonctions. Nous avons, par exemple, les fonctions affines, nous avons les fonctions rationnelles, nous avons les fonctions irrationnelles. Mais dans votre cas, en terminale A, on va mettre l'accent que sur deux types de fonctions. Les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Nous savons que les fonctions polynômes sont les fonctions qui sont sous cette forme. Les fonctions polynômes sont sous cette forme.
Et ici, les A, les AN, AN-1, A1, A0 sont des nombres réels. Je prends l'exemple, par exemple, de G de X égale à X au cube plus 2X moins 1. Ça, c'est une fonction polynôme. Le cas des fonctions rationnelles, j'ai par exemple H de X égale à AX plus B sur CX plus D. Ça, autrement appelé fonction homographique. Ça, c'est ce qu'on va appeler fonction rationnelle. En d'autres termes, on a un polynôme au numérateur, on a aussi un polynôme au dénominateur. Dans ces deux cas-là, l'ensemble de définition de la fonction polynôme, on retiendra que toute fonction polynôme est définie sur R. Donc, dès lors que dans un sujet, je regarde, je constate qu'il s'agit bien d'une fonction polynôme. En ce moment, je peux rappeler juste au correcteur G étant une fonction polynôme, alors elle est définie sur l'ensemble R. Donc, va aller de moins l'infini à plus l'infini. C'est ça la définition de toute fonction polynôme. Ok, donc ici, nous étions en train de parler des fonctions polynômes. Et j'ai dit que toute fonction polynôme est définie sur R. On a pris le cas de la fonction x au cube plus 2x moins 1, par exemple. Ici, on va aborder le cas des fonctions rationnelles. On va prendre une fonction rationnelle. Ici, on a dit la fonction rationnelle, c'est un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Je prends h de x égale 3x plus 1 sur x carré moins 4, par exemple. Là, on a une fonction rationnelle, le numérateur 3x plus 1. Le dénominateur, c'est x carré moins 4. Au niveau de la fonction rationnelle ici, une fraction existe si et seulement si son dénominateur est non nul. Donc, ici, ma condition d'existence, là, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Donc, je peux dire h de x existe si et seulement si x carré moins 4 est différent de 0. Ça, c'est une formulation. Donc, ici, on considère la fonction rationnelle 3x plus 1 sur x carré moins 4. Il y a deux formulations. Soit tu utilises h de x existe. Donc, le existe est utilisé lorsqu'il s'agit de h de x. Tu peux dire h de x, h est défini si et seulement si le dénominateur est différent de 0. En ce moment, tu parles de la fonction. H représente la fonction, h de x est un nombre. Donc ici, h x carré moins 4 différent de 0, je vais donc posant x carré moins 4 égale à 0. Or, nous savons que ça, c'est une identité remarquable. A moins b carré, x carré moins 2 au carré, ça serait égal à 0. Et en troisième, on nous a dit, lorsqu'on a a carré, carré, c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc ici, nous aurons quoi? Nous aurons x moins 2, facteur de x, plus 2 égale à 0. Or, toujours en troisième, on nous a dit a fois b est égal à 0 si et seulement si a b est égal à 0. Donc en ce moment, ici, on a un produit de facteurs nuls, ça veut dire que 1 des facteurs au moins un nul. Dans l'autre cas ici, nous aurons x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. De manière séparée, on va résoudre les deux équations. On aura x égale à 2, x serait égal à moins 2. Il y a certains qui vont poser la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir 2? Un nombre change de membre, change de signe. Ou encore, lorsque vous avez x moins 2 égale à 0, on compose par l'opposé de ce nombre. On aura x moins 2 plus 2 serait égal à plus 2. Là, ça se simplifie, ça donne 0, on aura x égale à 2. Voilà comment est-ce que le mouvement se fait. Donc ici, on trouve deux valeurs. Les deux valeurs trouvées, cela signifie que h de x existe pour les x différents, pour les x différents de moins 2. Et 2. Donc, notre ensemble de définition devient D de H égale à l'ensemble R privé de ces deux valeurs, moins 2 et 2. Donc, cela signifie que la fonction H peut prendre toutes les valeurs, sauf la valeur moins 2
et 2. Parce que la valeur moins 2 et 2, vous allez remarquer que si on remplace ici, si on peut calculer h de moins 2, on aura 3 facteurs de moins 2 plus 1 sur moins 2 au carré moins 4. On trouve donc moins 6 plus 1 sur 4 moins 4, on trouve moins 5 sur 0. Or, moins 5 sur 0, c'est impossible. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'ensemble de définition, on est obligé d'écarter ces deux valeurs. Parce que n'oubliez pas que dans la définition de la fonction, on a dit une fonction est un procédé qui associe les éléments de deux ensembles. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. On sait que dans l'ensemble de départ, c'est les x, l'ensemble d'arrivée, c'est les images. Donc, dès lors qu'on a une fonction, il y a un nombre qui n'admet pas une image, cet élément doit être écarté de notre ensemble de définition. Voilà un peu ce qu'on peut retenir sur les deux cas d'ensemble de définition. Donc, ce que vous pouvez noter, c'est que vous avez une fonction rationnelle h égale à ax sur bx, où a et b sont des polynômes, h de x existe si et seulement si le b de x est différent de 0. En ce moment, d de h n'est autre que l'ensemble des valeurs de x dans a, par exemple, tel que b de x soit différent de 0. Donc, voilà ce qu'on peut retenir. Notre définition de l'ensemble de définition. Mais à côté de la définition et de l'ensemble de définition des fonctions numériques, nous avons ce qu'on va appeler les éléments de symétrie. Ok, donc là, après avoir abordé la notion d'ensemble de définition, nous abordons le élément de symétrie. Ici, au niveau des éléments de symétrie, nous avons trois points clés. Nous avons d'une part la parité, nous avons l'axe de symétrie et d'autre part, nous avons le centre de symétrie. Lorsqu'on parle de la notion de parité, ici, lorsqu'on parle de parité, il y a deux volets. Il y a lorsque la fonction est paire et lorsque la fonction est paire. Donc, la parité pour nous, qui prend en compte la fonction paire et la fonction impaire. Et dans les deux cas, nous allons voir à quel moment une fonction est paire et à quel moment une fonction est impaire. On parle de fonction paire. Premièrement, si pour tout x que je peux prendre dans l'ensemble de définition d'une fonction f, pour tout x qu'on peut prendre dans un ensemble de définition f, si moins x appartient à d de f et que f de moins x égale à f de x, alors est une fonction paire. Donc, nous ici, pour montrer qu'une fonction est paire, premièrement, il faudrait que l'opposé de x appartienne à l'ensemble de définition et qu'on arrive à prouver que f de moins x est égal à f de x. Je vais prendre un exemple. Prenons cet exemple. Je prends le cas de la fonction f définie par f de x égale à x carré plus 1. Ici, déjà, étant donné que E de F, c'est déjà égal à moins l'infini plus l'infini comme ensemble de définition. Ici, pour tout X que je vais prendre dans E de F, moins X aussi va appartenir à E de F. Et moi-même, c'est calculer F de moins X. Or, lorsque je calcule F de moins X ici, c'est le X que je vais remplacer par moins X. En ce moment, on aura moins x au carré plus 1 qui serait égal. Or, moins x au carré, c'est égal à moins x fois moins x. Or, lorsqu'on fait moins x fois moins x, on sait que moins fois moins, ça nous donne plus. Et là, x fois x, ça fait x carré. Donc ici, moins x au carré, ça va nous donner x carré. X carré plus 1, c'est égal à f de x. Donc, ici, on a f de x. Donc là, on parvient à prouver que f de moins x n'est autre que f de x. D'où
On peut dire que cette fonction est paire, d'où f est une fonction, d'où f de x est une fonction paire. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont les deux points. Le premier point, c'est ça. Il faudrait que moins x appartienne à l'ensemble de définition. Donc, pour tous les x qu'on va prendre, il faudrait que moins x appartienne. Et lorsque moins x appartient, on peut maintenant calculer f de moins x. Et si au résultat, ça nous donne f de x, donc la fonction est paire. Prenons le cas d'une fonction impaire. Pour le cas de la fonction impaire, pour tout x que je vais prendre dans l'ensemble de définition, on a moins x qui doit aussi appartenir à l'ensemble de définition et f de moins x doit être égal à moins f de x. Exemple. Considère h de x égale à x au cube plus par exemple. Là, je sais que c'est aussi une fonction polynôme. C'est défini sur R. Là, E de H va de moins l'infini à plus l'infini, tout simplement parce que c'est une fonction polynôme. Donc, pour tout X qu'on va prendre dans E de H, on sait déjà que moins X aussi appartient à E de H. Nous allons donc vérifier que qu'est-ce que moins H de X peut nous donner. Bon, lorsqu'on calcule h de moins x ici, on vient remplacer ici. On aura moins x au cube plus moins x. Et ça, ça nous donne donc moins x au cube. On a ceci. Moins x, facteur de moins x, facteur de moins x. Moins fois moins, plus fois moins, ça donne moins. X fois x, ça fait x carré, fois x, ça fait x au cube. Donc ici, nous aurons moins x au cube. Moins x. Or, lorsque j'ai x au cube, là-bas, on a h de moins x égale à moins x au cube, moins x. Je peux mettre le moins en facteur. Lorsqu'on met le moins en facteur, ça va nous donner x au cube plus x. Or, x au cube plus x ici, c'est ça le h de x. Donc là, on parvient à h de moins x qui est égal à moins h de x. Donc, d'où h est une fonction impaire. À côté de la notion de parité, nous avons la notion de centre de symétrie et axe de symétrie. Qu'est-ce qu'on entend par centre de symétrie? Déjà, d'un point de vue graphique, on peut déjà définir ce que c'est que un centre de symétrie ou un axe de symétrie. Mais nous allons plus nous pencher du côté algébrique ou du côté symbolique. Donc ici, ce qu'on va appeler axe de symétrie, tout simplement, on va considérer d'abord une fonction f. On considère une fonction f, on considère la courbe CF de f et on considère un ensemble de définitions. On considère un ensemble de définitions de f, noté E de f, et au niveau de l'axe de symétrie, une droite par exemple, une droite D, x égale à A, est un axe de symétrie à la courbe si et seulement si. Premièrement, quel que soit x qu'on va prendre dans E de f, faudrait qu'on arrive à avoir aussi 2a moins x doit aussi appartenir à E de F. Et lorsqu'on arrive à cette condition, à cela doit s'ajouter le fait que F de 2A moins X soit égal à F de X. Voilà la condition. Donc, de la même manière qu'on a manipulé les parités, il faudrait que 2A moins X aussi appartienne dans l'ensemble de définitions et vérifier cette égalité-là. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple ici. On considère la fonction f de x égale. On considère la fonction f définie par moins x carré plus 2x plus 3. On va prouver
que la droite de x égale à 1 est un axe de symétrie. Pour cela, on doit d'abord, on sait que E de F, c'est un polynôme, ça donne toujours R. Là, le A est égal à 1. On a pour tout X dans E de F, 2 moins X appartient aussi à E de F. Ici, on sait que le A est égal à 1. Donc, ici, on va calculer F de 2 moins X qui est égal. Je viens remplacer ici. On aura moins facteur de 2 moins X au carré plus 2 facteur de 2 moins X plus 3 égale. À ce niveau-là, je vais utiliser l'identité remarquable. Au niveau de l'identité remarquable, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Je viens remplacer ça ici. On aura moins facteur A carré, ça fait 4, moins 2AB, 2 fois AB, ça fait 4, X. A carré, ça fait plus X carré. Là, on développe, ça fait 4 moins 2X plus 3. Ici, lorsqu'on développe, on aura moins 4 plus 4X moins X carré plus 4 moins 2X plus 3. Et lorsqu'on réduit le calcul ici, si vous permettez, on peut d'abord ordonner. On aura moins X carré plus 4X moins 2X moins 4 plus 4 plus 3. Donc là, vous constatez que là, il est seul puisqu'on peut additionner les monomes semblables. X carré est seul, on garde X carré. 4X moins 2X. Dans le principe d'addition, lorsque deux nombres sont de signes contraires, on fait toujours la soustraction, le résultat prend le signe du plus grand. Donc ici, 4X moins 2X, ça nous donne plus 2X. Moins 4 plus 4, c'est le même nombre avec des signes contraires. Ça donne 0, ça va rester plus 3. Et lorsque nous revenons ici, vous allez remarquer que x moins x carré plus 2x plus 3, c'est la même expression qui est ici. Donc, on peut dire que ça, ce n'est autre que le f de x. Donc là, vous voyez bien qu'on parvient au résultat qu'on a prédit ici. Donc, en ce moment, on peut conclure que la fonction f définie ici admet x plus 1, x égale à 1 comme étant axe de symétrie. On prend le centre de symétrie. Ici, le centre de symétrie, il s'agit d'un point. Et lorsqu'on parle d'un point, on sait qu'il y a une abscisse et une ordonnée. Donc, je prends un point A de coordonnée AB. Et ce point A de coordonnée AB est un centre de symétrie, si et seulement si. On va sur la même base, le même principe, quel que soit le X qu'on va prendre dans l'ensemble de définition, il faudrait que 2A moins X appartiennent aussi à l'ensemble de définition. Et à cela, on doit prouver que lorsqu'on additionne F de 2A moins X plus F de X, on parvient à 2B. Voilà le principe. Donc, on va prendre un exemple encore pour voir comment manipuler ce concept-là. Ici, on va considérer la fonction rationnelle G définie par G de X égale 2X plus 1 sur X moins 1. Et on va considérer comme notre point de symétrie le point A de coordonnées 1, 2. Ici, nous allons prouver que le point de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie. Donc, pour cela, on a ça à calculer. Et lorsqu'on va additionner avec le F de X, on doit retrouver 2B. Donc, pour notre cas ici, ça, A égale à 1, là, B égale à 2. Là, lorsque je reviens ici, on aura G de 2 moins X, puisque le A est égal à 1, 2 fois 1, ça fait 2, plus G de X, ça serait donc égal. Ici, lorsqu'on parle de G de 2 moins X, on vient remplacer dans la fonction G. On aura donc, là, quand je viens remplacer ici, on aura 2, facteur de 2 moins X, plus 1 sur 2 moins X, plus 1, plus, je remplace le G de X, c'est ça. On aura 2X plus 1, sur x moins 1. Permettez que j'enlève un peu pour ne pas que ça crée la confusion ici. Ok, donc à ce niveau, on va développer ensemble. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Plus 1 sur, là, ça fait moins x.
2 plus 1. Non, là, il y a une erreur qui s'est glissée. C'est plutôt moins 1, là. Donc, ça fait x moins 1. Donc, ici, 2 moins 1, ça fait plus 1, plus 2x, plus 1 sur x moins 1. Et lorsqu'on arrive là, on réduit le numérateur. On aura moins 2x, plus 5, sur moins x, plus 1, plus 2x, plus 1 sur x moins 1. Ici, on peut mettre le moins en facteur au dénominateur. On aura donc moins facteur de x moins 1 sur moins 2x plus 5 plus 2x plus 1 sur x moins 1. Là, le signe moins du dénominateur vient multiplier le numérateur. On aura donc g de 2 moins x plus g de x serait égal. Là, lorsque ça multiplie, le moins fois moins, ça fait plus 2x. Le moins fois plus, ça fait moins 5 sur x moins 1 plus 2x plus 1 sur x moins 1. On garde le dénominateur commun. Lorsqu'on garde le dénominateur commun, on sait que lorsqu'on a a plus b plus c sur b, ça nous donne a plus c, le tout sur b. On applique ça ici. On aura donc 2x moins 5 plus 2x plus 1 sur x moins 1. Là, 2x plus 2x, ça fait 4x moins 4 sur x moins 1. Là, lorsque je mets le 4 en facteur, on aura 4 facteur de x moins 1 sur x moins 1. On peut se permettre de simplifier, on trouve donc 4. Donc, g de x de moins de x plus g de x nous donne 4. Or, 2b n'est autre que... On sait que le b, ici, on a dit que ça, c'est le a, et ça, c'est le b. Donc, lorsqu'on prend 2b, ça serait égal à 2 fois 2, qui est égal à 4. Donc, ici, on parvient bien au résultat qu'on veut. F de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Donc, à partir de ce résultat, on peut conclure que le point de coordonnées A, 1, 2, est un centre de symétrie pour la courbe de la fonction g. Donc, voilà un peu, d'une manière générale, ce qu'on peut retenir sur les éléments de symétrie. Mais cependant, il y a des conséquences avec la parité et avec les centres et les axes de symétrie. Ce que nous pouvons dire, c'est que au niveau des conséquences, c'est que les conséquences de la parité, nous pouvons dire que toute fonction paire admet l'axe des abscisses comme axe de symétrie. Donc, lorsqu'on a une fonction qui est paire, l'axe des abscisses, lorsqu'on parle de l'axe des abscisses ici, j'ai ceci dans un repère. Là, je considère un repère. L'axe des Y, l'axe des X. Donc, ce axe-là, c'est un axe de symétrie. Là, ce axe, l'axe des ordonnées, est un axe de symétrie pour la courbe. Et pour toute fonction impaire, on admet le centre de symétrie du repère, c'est l'origine. Donc, l'origine du repère représente pour nous le centre de symétrie. Donc, en gros, voilà un peu les deux concepts qu'on pouvait évoquer au niveau des généralités sur la fonction numérique. À côté de cela, on peut aborder le calcul sur les limites. Ici, le calcul sur les limites, on va d'abord aborder la notion de limite en un point. Qu'est-ce qu'on entend par limite en un point? Ici, la limite en un point n'est autre que l'image de ce point par cette fonction. Donc, premièrement, nous allons aborder la limite en un point x0. Ici, déjà, pour noter la limite, on a lim. Lorsque x tend vers x0, de f de x n'est autre que f de x0. Et là, f de x0, ici, pour appliquer ce concept, je peux prendre le cas de cet exemple-là. Je prends le cas de cet exemple. F de x égale à 5x plus 1 sur 3x moins 4. Si je veux calculer la limite, ici,
x0 égale à 1, par exemple, on aura limite quand x tend vers 1 de f de x, ça serait égal à la limite quand x tend vers 1 de 5x plus 1 sur 3x moins 4. Là, je viens remplacer x par 1. On aura donc 5 facteurs de 1 plus 1 sur 3 facteurs de 1 moins 4. On trouve donc 5 plus 1 sur 3 moins 4, ce qui nous donne 6 sur moins 1. Donc, le résultat final, c'est moins 6. Donc, on peut conclure que la limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à moins 6. Ça, c'est la notion de la limite en un point. Mais à côté de cette notion, il y a la notion de la limite à gauche et à droite. À quel moment on parle de la notion de la limite à gauche et à droite? On parle de la notion de la limite à gauche et à droite tout simplement lorsqu'on a une fonction rationnelle, par exemple. Si j'ai une fonction rationnelle h de x égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Déjà ici, pour l'ensemble de définition, on sait que le dénominateur doit être différent de 0. H de x existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Ça veut donc dire que E de h est égal à r privé de 1. Vous voyez que là, lorsque je fais cet axe numérique, vous voyez que ici, en 1, la fonction n'est pas définie. Étant donné que la fonction n'est pas définie en 1, vous allez remarquer que ici, nous avons la gauche et là, nous avons la droite de 1. Et c'est en ce moment que la notion de la limite à gauche et à droite intervient. Et nous notons par exemple limite de h de x quand x tend vers 1 à gauche. Ça, c'est de ce côté. Et nous notons limite de h de x quand x tend vers 1 à droite. Ça, c'est pour signifier, il s'agit de la limite de ce côté. Tout simplement parce qu'on sait que h de 1 n'existe pas. Donc, on aborde le problème de manière partielle, à gauche et à droite. Et lorsqu'on aborde la notion de la limite à gauche et à droite, ici, je dois calculer la limite à gauche de 1, par exemple, on aura limite de 1 à la limite quand x tend vers 1 à gauche de 2x plus 1 moins 1. On remplace. On aura 2 facteurs de 1 plus 1 sur 1 moins 1. On trouve donc 2 plus 1 sur 0, ce qui nous donne 3 sur 0. Lorsque vous arrivez là, avec le concept de limite, ici, on sait déjà que le résultat qui est là, c'est déjà une infinie. Donc là, le résultat, c'est déjà l'infini. Le problème ici, c'est le signe. Le signe de l'infini. Et comment faire pour trouver le signe de l'infini? Pour trouver le signe de l'infini, ici, on est obligé d'étudier le signe du dénominateur. On pose 1 égale à 0, on x égale à 1. En ce moment, on a un tableau de signes, x, l'infini, 1, plus l'infini. Et on nous a à droite, c'est le signe de A. Le A, c'est le coefficient de x, plus, moins. Ça veut dire qu'à gauche, ici, à gauche, ce dénominateur est de signe négatif. Donc, le signe ici de l'infini prend ce signe. Donc, on aura la limite de h de x serait égale à moins l'infini lorsque x tend vers 1 à gauche. Tout simplement, le moins l'infini qui est ici, c'est ce moins-là. Mais par contre, si je pouvais avoir moins 3 sur 0, en ce moment, le moins qui est ici et le moins-là, ça devait me donner plus l'infini. Tout simplement, je devais combiner les deux moins. Et on sait que moins fois moins, ça donne plus. Et en ce moment, on devait dire que le résultat à gauche, ça serait plus l'infini. Donc, voilà un peu ce qu'on peut développer sur la limite à gauche et la limite à droite. Mais cependant, lorsqu'on fait le calcul d'une limite, le résultat peut être fini ou comme infini. En mathématiques, lorsqu'on parle d'un résultat fini, c'est lorsque le résultat, c'est un nombre. Lorsque tu fais le calcul ou tu calcules la limite, si le résultat que tu trouves,
c'est un nombre, on parle de limite finie. Mais lorsque le résultat n'est pas un nombre, on parle de limite infinie. Et pour terminer avec la notion de limite, il y a ce qu'on va aborder comme la limite en l'infini. Et en limite en l'infini, on va analyser les deux cas. Il y a le cas de la fonction polynôme et le cas de la fonction rationnelle. Lorsqu'il s'agit de la fonction polynôme, la fonction polynôme est par exemple de cette forme. Nous allons aborder le cas des fonctions en l'infini. Ici, donc, ça sera notre petit b. Limite en l'infini. Ici, lorsqu'on parle de limite en l'infini, soit c'est moins l'infini, soit c'est plus l'infini. Et lorsque nous parlons de la limite en l'infini, on va distinguer les deux cas de fonctions. On a d'une part la fonction polynôme, d'autre part la fonction rationnelle. Pour le cas de la fonction polynôme, ici, il est dit la limite de la fonction polynôme f de x, lorsque on est à l'infini, c'est égal à la limite de son monomial. Et ici, on sait que le monomial de plus haut degré, c'est le monomial dont l'exposant est plus grand. Ici, le plus grand exposant, c'est 2. Donc, c'est cet exposant-là, c'est ce terme-là, ce monomial-là, 2x carré, qui domine. La limite domine. Donc, ici, à ce niveau, ok, reprise. Donc, ici, après avoir abordé la notion de la limite en un point, nous allons aborder les opérations sur les limites. Ici, les opérations sur les limites, nous avons les trois opérations. Nous avons la somme, nous avons le produit et nous avons le quotient. Lorsqu'on aborde la notion de limite avec la somme, par exemple, on doit considérer deux fonctions. Lorsqu'on considère ici deux fonctions, par exemple, f et g, et on considère deux réels lambda prime qui appartiennent à R, par exemple, ici, on va définir les opérations avec la limite. Si, par exemple, là, la limite de g de x lorsque x est 0. Et là, nous avons la limite de f de x plus g de x lorsque x tend vers x0. Si la limite de f donne lambda, la limite de g donne lambda prime, à ce moment, la limite de la somme sera lambda plus lambda prime. La même chose, ici, ça donne plus le lambda. Et ici, ça donne plus l'infini. Ici, on aura plus l'infini. Tout simplement, plus l'infini domine sur le nombre. De la même manière, lorsqu'on prend ici, si on prend par exemple moins l'infini, et ici on a lambda prime, le résultat c'est moins l'infini. Mais par contre, il y a une situation où on ne peut pas conclure, par exemple, si ici on a plus l'infini, et qu'ici on a moins l'infini, ça, c'est ce qu'on va appeler une forme indéterminée. Mais par contre, si ici c'est plus l'infini, là aussi c'est plus l'infini, il n'y a pas de problème, là c'est plus l'infini. Si ici c'est moins l'infini, là moins l'infini, le résultat c'est moins l'infini. Donc voilà les propriétés au niveau de la somme. Mais par contre, si on doit aller avec la multiplication, si on doit faire la multiplication des fonctions, ici si je change, je prends le cas de la multiplication. Le cas de la multiplication ici. Ici, on aura la multiplication. Ici, le problème, il faut distinguer les deux cas. Ici, les deux cas. Est-ce que le lambda est supérieur à 0? Est-ce que le lambda est inférieur à 0? Si le lambda est supérieur à 0, là, le résultat va donner plus l'infini. Mais si le lambda est inférieur à 0, ça veut dire que c'est un nombre négatif. Moins fois plus, ça va donner l'infini. Et la même chose ici, si le lambda prime est inférieur à 0, moins fois moins, ça fait plus l'infini. Si le lambda prime est supérieur à 0, ça donnera moins l'infini. Et là, comme il s'agit de la multiplication, plus fois moins, ça va donner
moins l'infini. Plus fois plus, ça va donner plus l'infini. Moins fois moins, ça va donner plus l'infini. Et les seuls cas où on peut se retrouver dans une situation d'indétermination, c'est une limite donnée une valeur nulle. Et que ici on avait plus l'infini ou encore moins l'infini. En ce moment, la multiplication de 0 fois l'infini, c'est ça qui va nous donner une forme indéterminée. Donc là, ça nous fait déjà deux formes indéterminées. La première forme indéterminée, c'est lorsqu'on a plus l'infini, moins l'infini. La deuxième forme indéterminée, c'est lorsque 0 multiplie l'infini. Et on va aller dans le cas du quotient. Dans le cas du quotient ici. Dans le cas du quotient, si nous avons par exemple f de x sur g de x avec g de x 0 différent de 0, ici on aura lambda sur lambda prime comme résultat. Et lorsqu'on vérifie ce résultat, on trouve lambda sur lambda prime avec lambda prime différent de 0, bien sûr, parce qu'on sait que une fraction existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Après, si on a un nombre sur l'infini, ça va nous donner 0. Un nombre sur l'infini va nous donner 0. La même chose, si ici on a plus l'infini sur moins l'infini, le résultat ici va nous donner moins l'infini. Là, ça va donner plus l'infini. Là, on peut arranger le tableau à ce niveau-là pour que ça soit un peu plus clair. Nous aurons donc, lorsque nous avons un nombre sur l'infini, ici le résultat, ça donne 0. Peu importe, si c'est 2 sur l'infini, 3 sur l'infini, le résultat, c'est 0. Mais par contre, si nous avons 0 ici, 0 là, là, c'est une forme indéterminée. De la même manière, si nous avons l'infini ici, nous avons aussi une forme indéterminée. Donc, en résumé, nous pouvons dire que les formes indéterminées sont plus l'infini, moins l'infini. C'est la première forme indéterminée. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et enfin, l'infini sur l'infini. Donc, nous avons au total 4 formes qui sont indéterminées. Après avoir abordé la question sur les formes indéterminées, nous allons aborder les limites en l'infini. Ici, nous avons calculé les limites en un point. Cette fois-ci, on va étendre la situation. On va prendre les limites en l'infini. Ça veut dire que le x0 n'est plus un nombre. Le x0, c'est maintenant l'infini. Je vais prendre un cas, par exemple. F de x égale à 2x carré plus 3x plus 1. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça serait égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré plus 3x plus 1. Là, ça va nous donner 2 facteurs de plus l'infini au carré, 3 plus l'infini plus 1. On aura plus l'infini plus 1. Or, plus l'infini, on a dit, ça donne plus l'infini. Donc, la limite ici de f de x est égale à plus l'infini. Mais par contre, si on a par exemple la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus x. Là, si je remplace, on aura moins l'infini au carré plus moins l'infini. On trouve plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Et à partir de là, va intervenir deux théorèmes sur les limites en l'infini. Le premier théorème dit quoi? La limite d'une fonction polynôme en l'infini est égale à la limite de son monôme du plus haut degré. C'est-à-dire, tel qu'ici, si je veux calculer la limite ici, je veux m'intéresser au monôme le plus haut degré.
Et ici, on sait que le monomial de plus haut degré, c'est x carré. Donc, on aura limite de x carré quand x tend vers moins l'infini. Et là, lorsqu'on va remplacer, on aura moins l'infini au carré, ça va nous donner plus l'infini. De la même manière, s'il s'agit d'une fonction rationnelle, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 4 sur x moins 1, je prends le monomial du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. On aura donc limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x. Là, 2x carré sur x, je peux simplifier les x, ça va me rester la limite plus l'infini de 2x. Là, j'ai simplifié les x. Et là, quand je remplace, j'aurai deux facteurs de plus l'infini. Le résultat, je trouve plus l'infini. Donc, voilà, en résumé, comment est-ce qu'on calcule les limites en l'infini. Et pour résumer la question des limites, vous devez retenir d'abord, premièrement, on a la limite d'une fonction n'est autre que l'image en ce point-là, si elle existe. Deuxièmement, on a dit au niveau des opérations de limite, on a défini quatre formes indéterminées. Les formes indéterminées, ici, on a défini plus l'infini, moins l'infini, 0 fois l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Voilà les quatre formes indéterminées. Deuxièmement, au niveau des limites en l'infini, on a dit la limite en l'infini pour le cas d'un polynôme, on prend le monomial du plus haut degré. Pour le cas de la fonction rationnelle, on prend le plus haut degré au numérateur, plus haut degré au dénominateur. Et pour terminer ce cours, voilà en bref ce qu'il faut retenir sur la notion des limites d'une variable réelle. Dans la prochaine séance, nous allons aborder les trois autres points concernant les branches infinies, la notion de la dérivée et la représentation graphique. N'oubliez pas que l'objectif de notre cours ici, à la fin de ce cours, vous devez être capable non seulement de déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, mais de calculer la limite, d'étudier les branches infinies, de calculer la notion de la dérivée et déduire le signe de la fonction à partir du signe de la dérivée et enfin donner la représentation graphique d'une fonction. Voilà les objectifs que nous avons assignés pour ce cours. Donc ici, ce que vous devez faire, donc on suppose que à la fin de ce que nous avons fait, vous êtes déjà capable de définir une fonction et de calculer les limites d'une fonction. Donc, je vous dis au revoir, à très bientôt.